Nathalie Seyo Yesu Consolateur Yamite Asinyo Soro Yoko Yoka Yesu Kaka Oko Apeze Ango Nani Oyo Namuki Ako Konsole Mite Mosusu Nanu Namu Mite Kaka Kolo Nanga Shalom, shalom, bonsoir à tous, bienvenue, alléluia, gloire au Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, et ce soir nous sommes là dans sa présence, alléluia, alléluia, nous vous aimons tendrement, passionnément par son amour, lui qui nous a donné sa vie, lui qui a offert sa vie pour nous, alléluia, lui qui a toujours été là, qui nous tend sa main encore ce soir, qui vous tend sa main encore ce soir, peu importe votre situation, et si vous êtes malade, et si vous trouvez dans des situations difficiles, Jésus est là ce soir pour vous, alléluia, sur ces rubriques, il faut que ça change, alléluia, gloire au Seigneur, merci Seigneur, alléluia, bienvenue sur Pactol TV, sur votre émission, alléluia, abonnez-vous et regardez massivement, nous vous appelons, alléluia, à nous regarder, aussi nombreux que vous êtes, Jésus vous appelle ce soir, le Seigneur est fidèle, Jésus veut vous guérir, Jésus veut vous délivrer, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, pour ceux qui veulent, qui ont suivi mon témoignage et qui vont le suivre sur Pactol TV, là où le Seigneur il m'a pris, là où le Seigneur m'a ramassé, et il est juste et fidèle pour vous ramasser, pour vous prendre, pour vous toucher, encore et encore pour vous faire du bien. Et ce soir, nous croyons un Dieu puissant. Et ce soir, nous croyons un Dieu fort. Et ce soir, nous croyons un Dieu qui peut changer des vies. Et ce soir, nous croyons un Dieu qui peut délivrer vos vies. Alléluia. Là où vous êtes, commencez à prier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est votre aide. Il est votre secours. Et dites-lui ce soir, Jésus, il faut que ça change. Alléluia. Il faut que ça change. Il faut que ça change, Edith. Il faut que ça change, Mireille. Il faut que ça change. Gloire soit rendue à notre Dieu. Lui seul peut changer les situations. Alléluia. Lui seul peut vous ramener de zéro en héros. Lui seul peut vous toucher. Lui seul peut vous guérir. Lui seul peut guérir les malades. Bien-aimés dans le Seigneur. Si peut-être par... malencontreusement, vous rencontrez des situations difficiles, vous êtes traumatisé, comme moi je l'ai été, vous avez été, alléluia, vous n'avez plus d'espoir, Jésus est votre espoir ce soir, vous pouvez regarder à lui et dire il faut que ça change, alléluia, il faut que ça change ce soir pour quelqu'un, il faut que ça change ce soir pour une personne, il faut que ça change ce soir pour une fille, alléluia, qui a subi des viols et qui s'est dit « Je ne suis plus rien, je ne peux plus rien dire, je ne suis plus personne dans la société. » Laissez-moi vous dire que Dieu peut changer votre histoire en une journée. Jésus est fidèle et juste. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous les laissez, vous abandonnez à lui, si vous les laissez entrer dans votre cœur et les laissez vous toucher, il est capable de, alléluia, de transformer vos vies, il peut, alléluia, et il faut que ça change ce soir pour quelqu'un qui est resté depuis longtemps dans une situation conditionnée, stationnée, qui tourne en rond, alléluia, qui s'est dit je n'ai personne, comme ces paralytiques qui a fait 38 ans, je n'ai personne pour m'aider, alléluia, mais vous me direz ce soir, prophète, j'ai mis ma maman, j'ai mis ma, comment faire, alléluia, bien-aimé, je n'ai qu'une seule réponse pour vous, c'est Jésus, alléluia, lui qui m'est apparu, c'est Jésus, vous dites, je suis donc depuis longtemps oppressé par des mauvais esprits, tourmenté, alléluia, avec des tentatives de suicide, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Ce que vous vivez, je l'ai vécu. Et beaucoup de gens le vivent aussi. Alléluia. Vous êtes, alléluia. Ne restez plus dans cette situation. Il faut que ça change. Ne restez plus bloqués par des paroles des hommes, par leur discours. Alléluia. Par leur méchanceté. Alléluia, ce que vous avez vécu, je l'ai vécu. Et le Seigneur Jésus m'a fait sortir par son amour de toutes ces choses, de toutes ces conditions, bien-aimés dans le Seigneur. Oh Rabba Santa Rabba Shikerebe Koria Baba. Quelqu'un, alléluia, que le Seigneur va faire du bien ce soir. Quelqu'un va être visité ce soir. Quelqu'un que Dieu va toucher ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes, alléluia, dans sa main. Alléluia. Bien-aimé, il est encore en train de me dire, ne craignez rien.
N'ayez pas peur. Alléluia. Il est là ce soir. C'est lui qui essuie les larmes. Les spécialistes des cas compliqués. Les spécialistes des cas dont les médecins n'ont pas de réponse. Les spécialistes des cas dont les hommes n'ont plus la solution. Les spécialistes de situations. Alléluia. Dont les hommes n'ont plus. Alléluia. La compréhension. Oraba senterebe koriaba shikaraba kinta. Ribosokoraba sayababa. Oh, alléluia. Là où vous êtes, commencez à prier, commencez à pardonner ces gens. Il faut que ça change. Bien-aimés, dans cette année 2018, il faut que quelque chose se passe. Il faut que vous rencontrez Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, cet homme. Alléluia, dont le monde a entendu parler. C'est Dieu merveilleux, c'est fils de Dieu. C'est lui qui fait sortir, alléluia. C'est lui qui vous fait sortir de cette prison ce soir. Alléluia, vous êtes dans une prison ce soir. Vous êtes quelque part ce soir, alléluia, enfermé, alléluia, comme si, alléluia, tout était terminé, alléluia, comme si personne ne peut vous aider, personne autour de vous. Jésus est là ce soir, alléluia, oh gloire au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez regarder, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Bartimée. Vous pouvez regarder, bien-aimé, les paralytiques. Vous pouvez voir comment Jésus a transformé des vies. Vous pouvez voir comment le Seigneur est amour. Vous pouvez voir comment Dieu, alléluia, nous appelle à lui ce soir. Vous pouvez voir comment, alléluia, il ramasse de la boue. Vous pouvez voir comment il veut que votre situation change. Il faut que ça change. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous rejoindre aussi nombreux sur Pactol TV. Merci de partager ces vidéos. Merci d'appeler des amis. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, ce Dieu est bon. C'est Dieu merveilleux, il est miraculeux, il peut tout faire. Gloire à Jésus, alléluia. Oh Rita, sois bénie, gloire au Seigneur pour ceux qui veulent nous appeler en direct. Alléluia, pour des prières, alléluia, pour une prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un numéro, c'est le 09 80 59 40 49 48. Alléluia, gloire au Seigneur, nous avons un numéro, le 09 80 59 49 48. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Alléluia. Si les hommes vous ont dit le contraire, si les hommes vous ont... Si les hommes, alléluia, bien-aimés, ne croient pas en vous, Dieu lui croit en vous. Jésus lui croit en vous, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, vous pouvez appeler. Alléluia, bien-aimés. Alléluia, Jésus est merveilleux. Jésus veut vous rencontrer. Il vous donne, alléluia, il vient à vous cette année. Alléluia, il veut vous rencontrer cette année 2018. Il veut faire quelque chose dans votre vie. Il veut vous toucher cette année. Il veut, alléluia, il veut vous enlever de cette condition, de cette souffrance, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, Sandra, il veut vous emmener, alléluia, de la boue, de la poussière à l'élévation. Alléluia, Dieu est bon ce soir. Est-ce que quelqu'un veut la prière ce soir? Est-ce que quelqu'un, alléluia, est prêt à les rencontrer ce soir? Est-ce que quelqu'un est disposé ce soir? Parce qu'il vient quand le cœur est disposé. Alléluia, gloire au Seigneur. Commencez à prier. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une femme dans la Bible qui était mal réputée. Et donc personne ne croyait en cette femme. Alléluia. Et la vie de cette femme est devenue un échec. Elle s'est conditionnée dans sa tête. Et peut-être c'est votre cas ce soir. Vous êtes conditionné dans votre tête. Vous êtes mis des pensées dans votre tête. Je n'aurai plus l'aide. Je n'ai plus d'espoir. Vous avez peut-être des complexes. Alléluia. Vous passez par des épreuves difficiles. Peut-être avec votre, alléluia, mari. Alléluia. Peut-être que vous avez connu tant de divorces. Mais le Seigneur est là. Alléluia. À vous qui êtes malade, à vous qui vivez des situations difficiles, vous êtes dépressif. Je ne sais pas, vous prenez des médicaments, vous dormez difficilement, vous êtes dans l'insomnie. Mais Jésus-Christ est là. Bien-aimé, il est notre espoir. Alléluia. Bien-aimé, vous, il est notre espoir. Alléluia, moi qui vous parle, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais mourante. Gloire au Seigneur, et il redonne la vie, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, alléluia, il nous parle des ossements desséchés. Alléluia, et le Seigneur, notre Dieu est tellement puissant qu'il a juste soufflé sur ces ossements desséchés qui sont devenus des humains. Bien-aimé, il peut encore les faire. Les dieux que nous parlons, bien-aimé dans le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut que ça change. Suivez-nous sur Pactol TV. Suivez-nous, alléluia, sur Pactol TV. Aussi nombreux que vous êtes, massivement, suivez-nous, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et non, alléluia, et votre histoire va changer cette année 2018.
Alléluia. Il faut que ça change. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, lui seul qui donne la vie. Il souffle, il est prêt, alléluia, bien-aimé, à faire quelque chose dans votre vie. Il est prêt, bien-aimé, à vous entourer, alléluia, des bonheurs. Vous qui vous manquez d'amour, vous vous dites personne ne m'aime. Alléluia, vous vous dites je mérite ce qui m'arrive, mais j'ai souffré tellement. J'ai toujours souffert, servant de Dieu. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, peut-être que c'est votre raisonnement qui doit changer. Il faut que ça change. Peut-être c'est votre façon de penser, c'est, alléluia, qui doit changer. Peut-être c'est votre vision qui doit changer. Lisez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Alléluia, Ézéchias, on lui a annoncé sa mort, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes là, peut-être que les médecins vous ont dit, vous reste qu'une semaine à vivre. Vous êtes là, peut-être que les médecins vous ont apporté tellement de mauvaises nouvelles. Mais Ézéchias dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, les prophètes ont été envoyés pour lui dire, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, quelle bonne nouvelle. Jésus est bon, Jésus est si merveilleux, qu'il nous apporte que des bonnes nouvelles. Gloire à Dieu, oh gloire à ce Dieu merveilleux, oh gloire à ce Dieu qui nous bénit de jour en jour. Oh gloire à ce Dieu merveilleux, miraculeux, les prophètes ont été envoyés et il lui a dit, alléluia, Ézéchias, tu vas mourir. Bien-aimé, n'acceptez pas. Gloire au Seigneur. La Bible dit que Ézéchias s'est retourné contre mur. Bien-aimé, quelle position avez-vous ce soir face à votre situation? Quelles conditions vous avez quand votre mari vous maltraite, quand vous souffrez, quand vous êtes en train de subir les pires, quand vous êtes si traumatisé, quand vous êtes, alléluia, quand vous êtes malade, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Quelle position avez-vous face à Jésus? Ézéchias a dit, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, que le Seigneur, alléluia, ait pitié de moi. Alléluia, il a imploré, bien-aimé dans le Seigneur. Il a supplié le Seigneur. Il a imploré la grâce de Dieu. Et vous aussi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, implorons la grâce de Dieu. Invitons Jésus dans nos vies. Appelons-le dans son amour. Implorons sa compassion. Alléluia. Priez là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit bénissez, ne maudissez pas. Alléluia. Dans la bouche d'Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur, il a béni l'Éternel. Malgré ce que vous subissez, malgré ce que vous êtes en train d'endurer, bénissez l'Éternel. Alléluia. David a vécu des combats. David a eu des combats, il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Oh Jésus, oui qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Mon âme bénit l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Vous qui souffrez, tous les habitants de la terre, bénissez l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et Ézéchias, la Bible dit que Dieu a vu, alléluia, les paroles d'Ézéchias, bien-aimé, a touché le Seigneur. Alléluia. Et les prophètes se retournent, bien-aimé, et ils encore lui apporter une autre bonne nouvelle en lui disant, alléluia, Ézéchias, j'ai entendu, j'ai vu tes larmes, j'ai vu ta situation, alléluia, je t'accorde encore des années, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui a encore des 15 ans de vie, alléluia, oh gloire au Seigneur, gloire à Jésus, merci merveilleux Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant, car tu es là Seigneur, alléluia, avec ta main Tout-Puissant, Seigneur, nous venons en aide à chaque instant, Seigneur, en aide, alléluia, en exhortant ton peuple ce soir, qui ait des témoignages, Seigneur, qui a des vies changées. Il faut que ça change. Alléluia, gloire au Seigneur. Bienvenue, alléluia, sur Pactol TV. Il faut que ça change. Oh, Rabassaya Baba, il faut que ça change dans votre vie. Alléluia, bien-aimé. Et Dieu, alléluia, comme à Ézéchias, vous dit la même chose à vous. Vous n'allez plus pas mourir. Il vous accorde des années de bonheur. Il mettra des louanges dans votre bouche. Il vous accorde des moments, des temps de bénédiction. Alléluia, vos enfants, la bénédiction. Alléluia, comme il a promis. Alléluia, dans Deutéronome. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, oh bien-aimé dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Que quelqu'un soit visité ce soir. Partout où vous êtes, partout où vous me suivez. Alléluia, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit partout. Bien-aimé, il faut que ça change.
Alléluia. Il faut que le monde puisse connaître, puisse savoir que Jésus-Christ est victorieux et qu'il est vivant pour toujours, qu'il est sorti du tombeau, qu'il a vaincu la mort. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Quand les médecins vous disent, madame, vous ne pouvez pas avoir des enfants, madame, vous ne pouvez pas concevoir, madame, vos fibromes sont abîmés, madame, l'âge est passé, vous avez 45 ans. Oh, laissez-moi vous dire que Dieu ne regarde pas l'âge. Alléluia. Et il est prêt à vous faire du bien. Alléluia. Pour ceux qui s'attendent à lui ce soir, il est prêt, bien, alléluia, pour vous dire, pour vous tendre la main et vous dire bienvenue. Gloire au Seigneur. Bienvenue. Alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, dans notre mission. Alléluia. Sur Pactol TV, il faut que ça change. Merci Seigneur. Oh, qu'il est bon, c'est Dieu si merveilleux, incomparable. Il fait des choses que les mondes ne peuvent pas faire. Gloire au Seigneur. Appelez sur ces numéros, bien-aimés. 09 80 59 49 48. Alléluia. Pour une prière, pour un témoignage. Alléluia. Pour quelque chose que vous voulez que Dieu fasse. Pour alléluia. Et si vous êtes en train d'être touché, s'il se passe des choses dans votre cœur, dans votre vie, maintenant, appelez sur ces numéros. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit chanter ses louanges. Priez sans cesse qu'il est bon, qu'il veut nous faire du bien. Alléluia, gloire à Dieu, il est merveilleux. Attendez-vous à lui ce soir, attendez-vous à sa main si puissante, attendez-vous à votre guérison, comme à Ézéchias, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, il a changé, il vous redonne des années. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il vous redonne ce que vous avez perdu. Alléluia, il veut restaurer votre vie, il veut vous rajouter d'autres années meilleures, alléluia, des bonheurs, des grâces, des faveurs, alléluia, Dieu est bon, Dieu est fidèle, alléluia, gloire au Seigneur. Où que vous nous suivez, merci, alléluia, d'appeler, gloire au Seigneur sur ces numéros, alléluia, alléluia, vous pouvez voir aussi, alléluia, l'exemple de Dorcas qui a été ressuscité. Bien-aimé, il n'y a aucune situation, aucun cas, bien-aimé dans le Seigneur, qui soit difficile pour Dieu, alléluia, d'agir. Aucune épreuve, bien-aimé dans le Seigneur. Même si, alléluia, on vous annonce des mauvaises nouvelles, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez avoir l'espoir avec Jésus. Il faut que ça change. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est merveilleux. Il est si puissant. Il est capable. Alléluia. Il est capable, alléluia, de restaurer vos vies. Il est capable d'agir encore et encore. Alléluia. Il est si merveilleux. Il est si... Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Il est si merveilleux. Alléluia. Attendez-vous à lui. Alléluia. Si vous placez en lui votre confiance, vous placez en lui votre... Alléluia. Vous attendez à lui tous les jours. Il est capable. Il est plus que capable. Alléluia, de faire de grandes choses pour toi, Edith, de faire de grandes choses pour vous. Alléluia, partout où vous êtes, alléluia, il est capable. Alléluia, c'est un Dieu alléluia, qu'on ne peut pas mesurer. Alléluia, un Dieu redoutable, un Dieu si fort, un Dieu si puissant. Croyez en lui dans toutes vos situations. Alléluia, vous dites, alléluia, là où vous êtes. Alléluia, ça a tellement duré. Je n'ai fait que pleurer. Je souffre. Alléluia, bien-aimé, ne regardez plus à vos conditions. Ne regardez plus à vos souffrances. Mais regardez à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut que ça change. Quelque chose va se passer. Une rencontre. Alléluia, avec vous et Jésus. Alléluia. Appelez sur ces numéros. Alléluia, si vous avez envie. Stéphanie, gloire au Seigneur, shalom à tous, 09 80 59 49 48. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Il faut que ça change. Il faut que ces situations, alléluia, alléluia, changent, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que la vie de vos enfants change. Il faut que leur situation change. Il faut que la situation de votre famille change. Il faut que la situation, même au travers de vous, de la France, peut changer. Alléluia. Les lois peuvent changer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu des enfants de Dieu dans la Bible qui parlent au travers eux. Et grâce, alléluia, à Jésus, à notre Dieu, les lois du monde ont changé. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Il faut que ça change. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, nous avons vu une jeune femme
dans la Bible que le Seigneur a utilisé comme Esther Hadassa, bien-aimée, qui était entrée dans la cour des rois. Et les choses ont changé, bien-aimée. Alléluia, nous avons vu Aman et Mardoché, bien-aimé, dans le Seigneur, à cause, alléluia, bien-aimé, il y avait des lois. Alléluia, peut-être dans votre famille, il y a eu aussi des lois. Peut-être que la loi, c'était de ne pas vous marier. Peut-être la loi, ce n'est pas d'avoir des enfants. Mais Dieu, alléluia, en visitant son peuple, peut changer des lois, peut changer la loi de ce monde, peut changer la loi de ce pays. Grâce, alléluia. Grâce, il peut vous utiliser grâce à Jésus-Christ de Nazareth, grâce à vous. Peut-être que Dieu peut vous utiliser, passer par vous pour que les choses changent. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Jésus, gloire à Dieu. Tu es infiniment bon. Il faut que ça change. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu qui est fidèle. Merci. Dureras toujours ta fidélité, durera toujours ta fidélité, durera toujours ta fidélité, durera toujours ta fidélité. Durera toujours ta fidélité, durera toujours ta compassion, durera toujours ton amour, durera toujours, croyant sa fidélité, fidélité. Durera toujours ta fidélité, durera toujours sa compassion, durera toujours sa miséricorde, durera toujours oh, sa fidélité. Durera toujours sa fidélité, durera sa fidélité, sa fidélité. Oh oui, Jésus, durera sa compassion, fidélité, durera. Ta fidélité, sa fidélité, chantez là où vous êtes, durera toujours sa fidélité, durera sa fidélité. Sa... Allô? Il y a quelqu'un qui vient de mettre un commentaire comme quoi les femmes ne doivent pas prêcher, c'est diabolique. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alléluia, gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme a reçu la mission d'évangéliser. Elle a eu la mission de parler de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, c'est l'apôtre Paul, quand il s'est adressé aux femmes de Corinthe, par rapport à ce que la femme ne doit pas prêcher, il parlait par rapport à leur comportement. Il parlait par rapport aux habitudes de ces femmes. Elles n'avaient pas de bons comportements. Elles venaient à l'église avec des boucles d'oreilles, avec des choses infâmes. Elles avaient des comportements indignes. Et de nos jours, Dieu a fait grâce. Alléluia, depuis les temps, la Bible dit que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Et Dieu, alléluia, le Saint-Esprit est descendu depuis les jours de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit peut, alléluia, peut utiliser une femme comme un homme. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette femme, Marie de Magdala, alléluia, dans la Bible, Jésus a visité des femmes, a eu la grâce de rencontrer le Seigneur et d'avoir eu une mission de parler de Jésus à cause de son témoignage. Cette femme était, alléluia, bien-aimé, était une prostituée. Elle avait une mauvaise réputation. Elle n'était pas, alléluia, elle était infâme, indigne. Elle n'avait pas un bon comportement. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus, quand il vient, alléluia, quand il l'a rencontré, il lui a dit, va dire à mes frères. Les hommes bien aimés, alléluia, avaient peur de sortir. Parce qu'on a tué Jésus.
Alléluia. Ils avaient peur. Ils se sont dit peut-être qu'on va nous tuer aussi. Alléluia. Et cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, a eu la mission et elle est partie annoncer que Jésus-Christ, c'était la première femme qui a vu Jésus ressuscité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci pour cette question, alléluia, qui nous a été posée par notre, alléluia, frère bien-aimé. Alléluia, est-ce que les femmes doivent prêcher? Bien-aimé, le Saint-Esprit peut descendre en une femme, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit ne choisit pas, bien-aimé dans le Seigneur, un homme ou une femme. Alléluia, il peut utiliser qui il veut, quand il veut et où il veut. Alléluia, autant, alléluia, qu'il veut. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, nous vous bénissons. Alléluia. Si vous avez des questions comme celle-ci, si vous êtes nombreux à vous poser la question, pourquoi, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi, pourquoi Jésus a rencontré, je ne sais pas, dans la Bible, Bartimée. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez nous appeler pour poser, alléluia, des questions. Et nous allons répondre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublions pas, ne faisons pas l'amalgame avec la parole de Dieu. Alléluia, ne soyons pas des chrétiens, alléluia, avec des raisonnements. Ces femmes, il y a des choses que l'apôtre Paul, en tant qu'homme, a parlé en tant qu'homme. Alléluia, et il y a des choses dont il a parlé en tant que serviteur de la part de Jésus. Et il y a d'autres choses où, alléluia, où l'apôtre Paul, alléluia, avait des serviteurs de Dieu dans la Bible parlaient comme des hommes. Alléluia, il ne parlait, quand il a parlé que des femmes, la femme ne doit pas prendre la parole et prêcher, il avait parlé à un certain catégorie de femmes. Ces femmes n'avaient pas, alléluia, été indignes, alléluia, étaient déraisonnées, n'avaient pas de bons raisonnements. Alléluia, ces femmes, alléluia, et la Bible dans Proverbe nous parle de la femme sage. S'il y a eu des femmes insensées, c'est qu'il peut y avoir des femmes sages. S'il y a eu des femmes mauvaises, c'est qu'il peut y avoir des femmes qui peuvent aller, alléluia, dire, apporter la parole de Dieu, témoigner de Jésus, de ce que Jésus a fait dans leur vie. Nous, alléluia, bien-aimés, dans mon témoignage, vous suivrez sur Pactol TV. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ personnellement. Je l'ai vu. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que j'ai tenté mettre fin à ma vie, c'est là que le Seigneur Jésus m'a visité pour me dire que ton chemin sur la terre, c'est moi qui ai les derniers mots. C'est moi qui peux décider. Et il s'est présenté à moi. Il m'a dit, c'est moi. Alléluia, il m'a dit, ne tremble pas. Alléluia, ne t'effraie pas. C'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. Et il peut vous rencontrer, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe vos situations, il peut vous rencontrer. Il peut venir à votre secours. Alléluia, gloire au Seigneur. N'hésitez pas à nous appeler. Alléluia, à nous suivre. Gloire à Jésus sur Pactol TV. Alléluia, vous êtes les bienvenus. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia, je vous rappelle les numéros. Alléluia, c'est les 09 80 et 59. 49, 48. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Shikarabakoria bababa. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Quelqu'un se plaint qu'il n'y a pas de son. Gloire à Dieu. Orabasaya baba. Alléluia. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes bénis pleinement en lui. Shalom, shalom à tous. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia de notre émission. Oui, apparemment, il n'y a pas de son. Nous sommes désolés pour cet incident. C'est quand les téléphones étaient tombés. Alléluia. Nous vous invitons très nombreux massivement encore la prochaine fois de nous suivre sur Pactol TV. Alléluia. Dans sur ces rubriques, il faut que ça change. Nous vous disons merci. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100 euros
pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Bein Sport et Pactole TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prières sont programmées chaque samedi, de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession, du lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites les 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites les 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites les 001 209 255 1000. Vos appels partent de la France, faites les 0033 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'incarnation, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information, allez sur 3xw.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur des dieux. Avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, les cœurs de Dieu. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na Bwala Kutala Babuti. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province.
À très bientôt chez nous